malade, Dieu. La voilà, tour radio, tour radio. Oh, il y a de la vaisselle accrochée en haut. Ok, qu'est-ce qui est arrivé au robot de Jean? Ah, on commence Je pas. Crois que les piquants de l'écumeur l'ont piraté. De la vaisselle. Comment c'est possible? Ah, ça fait une petite boutique, genre moyenâgeuse, là. Ou un genre de canal ionique. T'as l'air jolie, cette ville, pour avoir été abandonnée. Oh, ouais, ça y est, tout c'est clair. Tu trouves? Ah, des munitions. Merde. En haut. Alors? Bloqué. Cherchons un autre chemin. T'as trouvé le chemin? Ouais. Oh non, je passe à côté. Ah, le con! Hey, y'a une usine, connard. Putain, j'ai... Annie! Vas-y, Annie! Putain, j'ai pas de grenade! Oh, c'est tard comme merde. Ok, je prends un gros recul. Hey, y'en a d'autres par là! Ok. Sûr? Les gars! Ouais, on va essayer. Repli, mais y'a pas de merde! Je comprends pas. Je comprends rien au drop shot. Je suis à sec. Allez, relève-toi. Merde, je suis mort. Je suis dans le nid. Je suis dans le nid. C'est bon, viens m'aider. Je vais t'aider. Ok. Mais prends le flingue. Mais prends-le. Oh, gros mais nique ta mère, sa race. Mais genre, je lui mets je sais pas combien de balles de shotgun, il s'en bat les steaks. Il est rempli. Oh le fils de pute. Ok. Oh là 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 là. Oh, sandwich. Allez, c'est bon, t'es debout. C'est à moi maintenant. On est encerclé dans la maison là. Ouais, j'en sors. Action. Oh, ils ont un drop shot. Il faudrait m'aider là. Merci. Merde, je suis par terre. Merde, Marcus est par terre. C'est bon. Ouais, je c'est légal lui maintenant. Ça. Oh putain, encore. Hein. Merde, je suis blessé. Oh, rien au dessus. Non non non, c'est okay, pas moi. Tu l'as eu. Dégagé. Si 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 si, tu l'as eu. Dans l'usine. Quoi? Avant qu'il y en ait d'autres qui rappliquent. Oh putain, je comprends rien cette arme. Ça fera l'affaire. Un coup de main s'il vous plaît. Un coup de main s'il vous plaît. Aidez-moi avec cette porte. Regardez-moi ça, une vieille. En fait, là, on a dépassé les heures légales de Gear of War. En fait, il était sympa pendant 6 heures et après, c'est de la durée artificielle de vie qui sert plus à rien. En fait, ils auraient pu l'arrêter à 6 heures, quoi. À l'acte 3. Ils auraient pu l'arrêter à l'acte 3. Après, c'est réservé aux vrais joueurs, en fait. Aux vrais joueurs, les petits joueurs de Tetris. C'est interdit après. Faites gaffe, on a des drones! T'es où?
Et je te vois pas. Oh merde, encore un sion. Mais par où vous êtes monté? Bah merde alors, vous êtes monté par où? Par les escaliers. Qu'est-ce que tu fous en bas toi? Mais je cherche comment monter, je sais pas comment t'es monté. Il y avait des escaliers, ça les a passés depuis longtemps là. Ah j'ai trouvé. Mais viens, mais ramène ton poule putain, c'est un truc de fou. J'arrive. C'est dommage parce que c'est beau ici. Il y a fait les disqueuses là. Ah. Je sais pas il est sur qui mais Sur moi. C'est fini. Oh la vache. Il est pénible là le jeu là. Par contre il est beau là. Putain, on ferait mieux de stocker des munitions. Salut Gash. Oh tu crois qu'on en aura besoin? Ouais Del. Oh des munitions, un miracle. Ils sont rappelés c'était quoi? Mais eux ils les mettent à la fin eux. Ils les mettent à la fin du niveau, super. De balles. Bah comme ça tu commences un chapitre avec des munitions, tu peux pas te plaindre. Bah non parce que j'ai le drop shot par hasard il prend pas des munitions et il donne pas d'armes donc en fait j'ai juste le chaos max. Et le boltoc ça recharge le boltoc ça ou pas? Non ça recharge pas le boltoc. Non ça rechargeait pas. Ouais je suis sûr qu'on arrivera sans c'est le c'est beau. Putain mais c'est un truc de fou, mais qu'est-ce que tu restes planté là-bas? C'est un truc de malade. Ah là c'est beau. Là c'est beau par contre. Putain on est obligé de se splitter merde. Là c'est super beau par contre. Oh merde fou. Ah et voilà le pépin. Putain en fait, j'ai vu qu'ils viennent avec moi. Va j'y vais pour nous. Ah ils ont des armes. Quoi y'a... Putain mais j'arrive plus à tenir plus de 5 minutes quoi. Quoi ce bordel? Ah y'a des copains là. C'est fait. Ah oh, il s'est fait décalquer de mon écran lui. Putain j'ai pas de grenade, on a jamais de grenade dans ce jeu. Super. Alors c'est tout une essentiel. Ah mais il est en face de moi là. Ouais, il est en face de moi là. Ah j'ai une grenade. Miracle. Et voilà. Bordel, ça c'était pas ça dans le petit dessin là. Vas-y, il est sur moi. Merde. Mais mets-toi à couvert. Il se met pas à couvert. Putain. Super. Fais gaffe grenade. Fais gaffe grenade. Qu'est-ce que je veux dire? Oh bravo. Bon, c'est réglé. Pouf. Papa, t'es prêt à lancer l'appel? T'as fait péter le tour dehors là? Ouais, je sais pas pourquoi. Attends. Dis-lui qu'on va avoir besoin de plus que quelques lanzors ici. Et que des bots seraient plus dangereux qu'autre chose. T'inquiète. Il arrivera bien de nous trouver un truc. De toute façon, il y arrive toujours. C'est qui l'appelle? C'est Jésus qui l'appelle? Et genre à l'intérieur du bâtiment, il n'y aura personne. Il y va non, tout c'est seul. Dominique. C'est Dominique en version locuste. Ah. Et à l'intérieur, il n'y a personne. Hein. Marcus, il est tranquille à l'intérieur. Il nous encercle. Oh putain.
Putain de merde, tu m'as carrément fait flipper. Pardon. Les renforts arrivent. Ça va prendre encore longtemps? Assez pour qu'on ait besoin de ça. Super. Papa, comment on fait? Il nous rejoint où? Pas loin, mais on a du temps et de la vermine à buter avant qu'il 10 000. Vu le bruit, ça va nous tomber dessus d'un instant à l'autre. C'est pour ça qu'on se retranche ici. je le mets où? J'en ai aucune idée là, il est tout bizarre le... Dans ton cul, tu me... Bah écoute, on va les laisser venir. Hein. On va mettre là. Et... C'est comme la dernière fois. On les met là. Ouais. Ça, non, si comme ça, ça attaque les fenêtres. Ouais, mais on est mal. Ah, recule. Recule. Encore. Ah là. Oui, de manière à ce que ça prenne aussi les fenêtres. Ouais. Ah, mais nous, on a rien pour se cacher là. Si j'ai un bout de mur ici, quoi. Mais non, on se met devant, on se met là. On a un Sion. Oh merde. Vas-y, Marcus. Ah, sérieux? C'est pour ça. Ils ont perché les défenses, descendez! Faites gaffe, ils vont nous submerger! On a pas de défense. Oh merde, je suis à terre! Il est en train de m'endormir le jeu, c'est dingue. Alors, prends la tourelle! Hein? C'est bon, le gros est mort! Il y a des petits bâtards, moi. Hein? Ici, de l'autre côté, de l'autre gauche. Toi, tu nous embêteras plus. Ok. Suivant. Oh merde, c'est faux. Ah oui, on a une tourelle, oui, c'est vrai. Oh merde, quand même. Un faux vent droit. Deux faux vent droit. Ça fera pas de mal. Je suis pas. C'est vraiment des overdosés en fait, ces machins là. C'était sûrement pas le dernier. T'as entendu, Dali? Il a fait un rejeton avant la prochaine attaque. Ah ouais? Il y a juste les garçons en fait. Ah d'accord, super. Il n'y a plus rien. Je sais pas où le mettre, moi. On va le mettre là. Mets-le contre le mur, mets-le contre le mur. Là, comme ça? Marcus, ah non, l'autre, putain, l'autre côté du mur. Genre vers là-bas, comme ça. Voilà. Ok. Sur la gauche, il y en a encore. Super. On le met à droite et il y en a à gauche. Alors on le met à droite et on le remet à... Et c'est à gauche. Ah ouais, c'est... Ah, sérieux? Un Sion! On les repoussera pas éternellement! À droite! Deux très gros! À droite. Ouais. Deux disqueuses. On place les tourelles. Putain, on rate. Heureusement qu'il y a cette tourelle, hein.
Oh, ça aurait été plus que casse-couille, là. La difficulté, elle est mal dosée, quoi. Ah, la difficulté est très très mal dosée. Tu fais chier pendant 2 heures à essayer de passer un truc tout con sur l'acte 3 et maintenant... Je crois que c'est fini. Ah, c'est vraiment du steak, viens voir. Ah, très gros, très gros. À droite. Un Vaginator. Ça va, avec la machine gun, ça devrait le faire. Planquez-vous. Oh là 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 là. A gauche, il y a un deuxième. Oh putain, il y en a deux. Oh putain, c'est tellement Louise le machin. Oh, il arrive. Il est mal. On recule, on recule, on recule. Non, je vais tu marches, je marche. Ah, je suis mort. Super. C'est bon. Ouh. Tu marches, je marche, venez me chercher. Tout ça parce que... Deux secondes. Putain, qu'est-ce que tu fous à te faire attraper, toi? Allez, viens là où je suis là. Mais si les boss restent là, ça va pas le faire. D'accord, mais au revoir les tourelles. Oh bah y'a plus de tourelles. Merde. Oh non. Oh non, il t'a démembré. Putain, fais chier. Putain, quel est le développeur de... Quel est le trou de balle de développeur qui s'est dit que c'était cool de démembrer et du coup on est obligé de tout refaire, putain. Quel est le démanque. Mais quel branquignol ces mecs. C'est, le jeu il est sympa à jouer, mais non, non, faut pas que tu prennes du plaisir dessus. Tu te fasses chier. C'était sûrement pas le dernier. Construisez et réparez tout ce que vous pouvez avant la prochaine attaque. Putain, on a toute la vague à se refaire. Y'a que ça à faire. Hein. Attends, au début ils arrivent à droite. Mais ils vont arriver à gauche, là. À gauche, je veux dire, au début ils arrivent à gauche. À droite. Et le DU, vous l'avez vu, celui-là à gauche là? Non, y'a plus rien à gauche. Donc vous l'avez vu. Putain, et la mitraillette aussi qui chauffe, ça sert à rien de faire des machine guns si ça chauffe. Y'a aucun intérêt à paraître chiant à jouer. Ah oui. Maintenant écumeur. Où ça? Droite, à droite. Attends. Voilà, maintenant faut... Et à gauche, il y en a l'autre aussi. Ouais, mais faut... Merde, je me suis fait avoir. Okay. Mais des... non, mais merde, des... je démarre des... la tronçonneuse. Y'a des. Y'a des. Faut envoyer un fax ou quoi? Ah, mais ils sont trop corps à corps là, Eh hey, merde. Je suis à l'intérieur. Mais j'avais 4 balles que je tire, ils sont pas à la race.
Elle vient à l'intérieur, il faut y aller. Merde, non, je suis mal. Il ne relève pas. C'est sur quel passage que t'es sur le poste. J'ai un mec qui est avec moi. Mais Cassie, c'est une majorette qui fait rien. Ah, sur toute ta gueule. Je meurs. Merde, qui c'est qui est dehors? Il entend, il en prend un. Cours. Putain, je suis à terre aussi. Oh non, je me fais bouffer, mais qu'est-ce que ça me fait chier, putain. Il ouvre le deuxième, t'as réussi à le libérer? Vite. Non. C'est bon. Je marche. Oui, attends, il m'a rebouffé. Oh là. Oh là. Y'en a un qui est mort. C'est bon. On a eu le dernier. Ça devrait pas durer. Ah quoi, on a eu les deux en même temps? Le fabricateur. Ouais, j'ai eu l'autre avec la tourelle. Oh, c'est pas fini, putain. Oh, c'est pénible. 15 000. C'est pénible à tort, quoi. Je suis pas à tort. Chercheur d'or, vous avez dépensé 100 000 unités via la fabricateur. Comment t'as eu ça? On n'avait pas eu moi pas. J'en sais rien. C'est du favoritisme. Oh putain. À moi. Termine, à droite. Attention. Par où? Pas maintenant. Eh hey, mais faut que je tire combien de balles le mec là On est à un moment où je vais pas voir encore un petit. Drone shot. Où ça? Ah je suis dessus. À droite. Non, il est mort. Oh pooh, l'arbre est dans la gueule. À gauche. Drop shot aussi. Putain, le réflexe. J'ai eu, non? Ouais, c'est bon, il est mort. C'est pas encore fini. Ah merde. C'est que quoi le encore? Écumeur, non. Oh non, putain. C'est le gros machin avec des qui spermacule là sur ta gueule. On a des transporteurs. Il a dit T-transporteur. Il y en a deux, à gauche, il y en gauche. A deux. Non. Tu te fous toi de ma gueule. C'est pourquoi il s'ouvre pas là. Venez, faut lui tirer dessus. Il va éclater. Oh, il est déjà mort à droite. Oh là 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 là. Je l'ai tué à droite. Et à gauche, c'est fait. Ah non, c'est pas fait. Il va craquer. Ça pouvait pas me tomber. Il va cracher. Recule. Mais il a mal. Là, il a mal. Là. Putain. Ah, cette tourelle, elle a fait du boulot, elle a 7. Elle a fait 7 kills. Super. Voilà, il donne des grenades maintenant. Suivez-moi jusqu'au point de rendez-vous. Oh là là, l'autre il est à l'autre bout du monde. Mais va te faire foutre, putain, que tu pures sa mère. Je suis sur une passerelle, il est sur la deuxième. C'est quoi cette fumée verte? C'est le truc d'atterrissage. Eh, je suis bloqué. Ah non, c'est bon. J'y croyais plus, on dirait que la voie est libre. Non.
Il faut que t'arrêtes de dire ça. Quoi? Franchement. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? La voie est libre. J'ai l'impression que tu veux nous porter la poisse. Quoi? Tu rigoles? Non, je rigole pas. Depuis qu'on a commencé, à quel moment la voie est libre? Merci bien. Marcus, ça va pas la tête? Ouais, bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a? Je suis un peu convaincu. Je sais pas, j'ai tiré un truc, c'est engueule Marcus. Il a rien fait, moi. Allez, faut qu'on aille à ce foutu point de rendez-vous. Mais c'est pas moi, c'est l'autre. Mais non, je l'ai vu, c'est lui. Mais non, mais arrête. Mais non, on va pas s'engueuler, les mecs. Oh là, c'est beau. Ils aiment pas quand on fait ça, j'ai l'impression. Ouais, c'est clair, tu sais pas pourquoi. Allez, mais au lieu de recharger, relève-moi, putain, truc de ouf, quoi. Quand on est venu juste pour ça. Priorité, quoi. Mais non. Il a dit qu'on se rejoignait au croisement un peu plus loin. Mais qui a dit quoi? Il y a un gros truc. C'est clair. On sait toujours pas qui c'est. Oh là 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 là. Bien joué. Ah. Il est où, Marcus? Putain. Qu'est-ce que c'est que ces robots? C'est nous, c'est ça le... C'est les robots du début. Quand Marcus Phoenix appelle à l'aide, il le fait pas à moitié. Ah, c'est Titanfall 3. C'est clair. C'est qui? C'est Kim? Quoi? Ah, c'est Kim. T'appelles pas? T'écris pas? Hey! T'as pas d'amis, Marcus? Waouh! Ça faisait un c'est bail, cool. Mon pote. C'est cool, ouais. Un bail de 10 ans, c'est long. Ah, c'est cool, hein. C'est cool. Tu te souviens de James? Ouais, c'est protocol Cole. Il a dû prendre quelques centimètres. Tout le monde paraît petit à côté de toi, oncle Cole. Oncle Cole? Oh, c'est pas possible! Mais les mecs, ils sont invincibles! Oh, invincibles! Pour le reste de mon existence. Merci. C'est jouet? Kate, Dell, voici des trucs de malade, président franchement. De DB Industries. Ah non. Dont les bots essayent de nous descendre depuis une vingtaine d'heures. Oh, oh le fils de pute! Cette histoire de dev bot tueur. C'est pas moi, c'est Jean. N'empêche que ces robots portent tes initiales. Tu me dis si un de ces épisodes te semble familier. T'as déjà été oh, mais c'est un truc de malade. Ça fait quoi? Chez moi? Et pourtant, personne vient te coffrer. Allez, plus récemment, tu par te contre, Ordi, lui, il arrive à foutre la portion de ça, y'a pas de soucis. Et comme on par aime magie, une un transport spécial bot débarque et te dit de monter. Non, oh, sérieusement, faut envoyer un fax et tout. T'as demandé à ce connard de veiller sur moi? Et sinon, ça t'arracherait la langue de dire merci. Il est où? Oh, on va conduire les gros robots. De putain, mais multi là. Tu sais, si la journée qu'on a passée, tu demanderais pas. On n'a même pas fait pipi encore. Et que quelqu'un prenne seconde Betty. Ah, excellent si on joue avec les robots HB. On dirait. Très charmant. Ouais, je sais pas trop là. Je crois que je suis un peu maso sur les bords. Qu'est-ce que t'en dis, Marcus? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et il meurt quand? Putain, je tire un chargeur. Je suis là, chouchou. T'es prêt à y aller? J'espère que ta femme était partante pour ça. On n'est pas mariés, Sam et moi. Partenaire particulière, je te prie. Partenaire particulier, cherche partenaire particulière. Salut Karek, oui, faut que tu passes en source, qualité source. Parce qu'ils ont. Twitch a fait une mise à jour HTML5 qui déconne chez 90% des gens. Et donc, faut passer en qualité source et ça corrige le problème. C'est une logique implacable, hein. On s'en est bien tiré, hein, mon piquet. On est en robot, Slide Zero. Excellent. Et là, c'est beau. Oh, cette skybox. Ah bah ça repart le jeu là. Cette skybox, le jeu repart, putain. On peut courir, on peut courir. Oh putain, le jeu repart, le jeu reprend. Arrête, je réfléchis ce que je dis 20 secondes après. Je peux shooter les bagnoles. Oh, ils vont prendre trop cher. Ok les jeunes, il y a un gros paquet de salopards entre vous et le barrage. La vache, elle chauffe là. Il y a un moment où ça s'arrête. Merde, on est dans un... Oh, c'est magnifique avec le rayon de soleil. C'est énorme. Ah, oh, c'est énorme avec le... Oh putain, cette skybox, c'est malade. Oh, oh, l'intérieur de la ville, il est magnifique. Oh, avec l'hélicoptère, avec le soleil à travers les arbres. Voilà, le jeu reprend, le jeu redémarre. C'est énorme.
C'est énorme. C'est énorme. C'est trop beau. Oh putain, fais gaffe, y'a des méchants. Mais depuis tout à l'heure, y'en a, tu vois rien. Mais pourquoi on n'a pas fait tout le jeu avec ça? Ça aurait été beaucoup plus simple. Oh, on peut même se mettre à couvert. Non. Il a toujours pas eu le succès hein, pour niquer 3 mecs à la disqueuse. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, ça doit pas être... C'est pas considéré avec. Ok, envoyez la frappe aérienne. Ah, je peux faire des frappes aériennes. Attention. D'accord, l'hélicoptère est avec nous. J'en sais rien, j'ai fait par hasard. J'ai fait par hasard. Énorme. Oh, c'est énorme. On est dans Vermintide en robot. Ah, c'est là un peu le. On a un coup de. On a un coup de rat aussi. On est sûr et certain que plus personne n'habite ici. Et oui, tu droit devant. Faut lui en mettre plein la gueule. Frappe aérienne. Oh oui. Alors là, on va leur mettre cher. Oh oui, viens mon petit écumeur adoré. Oh oui, on casse la baraque. Wouh. Ouh, c'est énorme. Ah, ils sont pas morts. C'est énorme, ce passage, il est énorme. Oh, il est énorme, ce passage. Bah voilà enfin du gameplay, tu vois, toute la section acte 4, tu peux le jeter. Et le début là, tu peux le jeter, tu mets directement ça. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, les jeunes. La mauvaise, il y a un tas de vermines qui arrivent sur vous. Ouais, sans deck. Et la bonne? La bonne nouvelle, c'est que ton père est très très fier de toi. Ouais, ok, bon, je vais retourner les temps qu'elle commence. C'est énorme, c'est énorme. Dis à Berbe que je lui rendrai pas son méca. Il est un Berbe, hey, non Berbe. Joue pas à ça avec moi. Attends, faut que je me recule parce que j'ai trop proche de la télé. Je vois pas tous les détails bien. Hey, il y a trop de graphismes, il y a trop de détails à voir. On s'en occupe. Ah toi tu fais l'écumeur au corps à corps. C'est pas un écumeur. Oh, c'est jouissif! Oh, tu parais, toi! C'est jouissif, ça enlève toute la frustration des derniers trucs! Je vous envoie ça! Oh, oh, oh! Bam, dans le mille! Ici, la route! Ok, je crois qu'il faut franchir ce mur pour sortir! Je demande une frappe aérienne! Sous devant! Oh, ce coup de pied que t'as lancé! Oh, doucement, là! C'est trop beau! Regarde, on est à Skyrim! On est en Oblivion! En bord de ciel. Ah, il va la ramener moins, je pense. Je pense qu'il va la ramener moins là. Je pense qu'il va la ramener moins là. On est dans Slave Zero, on est dans Titanfall, on est. On est dans Armored Core là. Bon, on peut péter les armes. Ah, t'inquiète, dès que je peux, je frappe. Oui. On recharge. Mais ça lui fait rien. Je vous envoie ça. Mais si, il a des pustules dans le dos, t'en fais pas. Il va pas. Mais non. Mais putain de ta mère. Je peux quand même. Ça fait une bague de contre-mire. Oh là là. Ah, tu peux l'enchaîner. Oh ouais, terrible. German suplex. Vas-y. Énorme. Ah, il y a un stick une flaque au sol. Mais ça m'égave. Les jeunes, ciblez le mur. Pour vous, je veux une sortie. Ah, t'as vu, il est vachement bien. Oh, on peut renverser des arbres. On peut renverser des arbres. Wouh, terrible. Je veux qu'on peut ramasser des arbres. Allez.
Là, qu'est-ce qu'ils vont faire, les petits lanzards? Dommage qu'on peut pas prendre un arbre et s'en servir comme batte de baseball. Non, c'est juste de les couper les arbres avec la disqueuse. Ah, tu vois pourquoi on a souffert, Xavier? T'es dans le passage où on a souffert. Ouais, envoyez tout ce que vous avez, je veux toute la planète là. Putain, tu fais tout un gameplay avec ça! Tout un gameplay, tout un jeu avec ça, putain, oh la vache. Et pas juste une mission. Au bout d'un moment, c'est chiant en fait. Oula, oula. Bah, elle était mal garée. Un foot? Un foot, c'est un bébé. Un car foot? C'est plus un foot car, c'est un car foot. Allez, speed pass. Attends. Wouhou! Vas-y, ouais, tête! Ouais, tête! Wouhou! Excellent! Il y avait des grosses pièces marines dans Warhammer. C'est clair? James, le barrage est droit devant! Ah, ça les coupe pas les arbres. Non, par contre, ça coupe pas les arbres, c'est vraiment dommage. Mais par contre, tu peux les renverser. Ah, bon, pas là. Non, celui-là, non. Ah, celui-là, non, dommage. Putain, c'est beau! Allez, Marcus, oh vas-y! Regarde la forêt au fond, on dirait. C'est photoréaliste, là, la forêt dans le fond, là. Ouais, minimum, ouais. Parce qu'en fait, ils sont allés à Fontainebleau pour faire des photos pendant 48 heures, ils ont filmé. Hé, encore des écumeurs! Fais gaffe, y'a des écumeurs. Ouais, pas de problème, alors là. On a un transporteur! Il s'est raté dans ses roquettes. Ah ouais, bah heureusement qu'on est en robot, parce qu'à pied je crois que ça nous aurait pris un petit moment. Ouais, à peu près 4-5 heures. Ah ouais, non mais là, c'est la nappe, hein. Franchement. T'es mort? Mais comment t'as fait pour mourir? On est invincible. Bah je sais pas, bah non. T'as eu un succès? Pardon? De mourir en robot, c'est peut-être un succès. Et ça t'amuse. Oh, on est à 10h quoi, oh là là, je vais le finir moi. Je pense pas qu'on ait la fin, il reste l'acte 6 encore. Encore des écumeurs. Non, y'a pas d'acte 6. Y'a pas d'acte 6. Tu veux me dire qu'on va se libérer là bientôt? On a un transporteur. Oh putain, l'heure France. Non, regarde lui. Devant lui. Roquette en approche. Ouais, y'a rien. Y'a rien. Mais non, mais les roquettes, ah oui. En fait, on meurt parce que le jeu commence à bugger. Il tire ses roquettes dans le décor. C'est bloqué par les arbres. Voilà. Ok, on est d'accord. Merci. Encore une bonne idée mal branlée. Très bien, d'autres transporteurs. Et des écumeurs. Oh là là. Oh, c'est énorme. Alors lui, il a tout pris. Alors lui, il a tout pris. Oh là là. Ah, c'est grand bang. Oh, c'est okay, Boukake qui s'est mangé de missiles. Et j'ai pas dit que la voie était libre. Marcus, putain, je suis sûr que ça fait plaisir à Del. Non, on est bloqué. Besoin d'une frappe par ici. Merde, cette frappe va nous poser problème. Les portes. Ouais, on est légèrement plus grand que le passage. Encore. Ah, ouais, j'en vois. Peut-être passer à travers. En haut. Oh, je pute. Toi t'as rangé la disqueuse en fait, que la frappe est derrière. Ok, le barrage est à deux pas, on dégage. Ouais, mais au bout d'un moment on a plus de missiles en fait, ça se recharge au bout d'un moment. Je parie qu'on pourrait défoncer le mur. Moi. Putain, on est encore là? Au barrage à 4, au Mont Rochemort. Vas-y Dom, vas-y Marcus. Vas-y, réveille-moi, merci. Les mecs ils sont dans leur petite commande derrière là. C'est clair. Bloc. Avance, non c'est toi qui te... Recule, c'est toi qui te pousse, c'est moi le premier. Recule. J'ai passé. Recule, Cédric. Je veux passer. Cédric, non, recule. Quoi? Recule. Ah, oh, voilà, tu vois, je t'ai dit que ça passe. Ok, on est au barrage. On n'a plus qu'à se rayer un passage. Oula! Ah, je crois qu'on a. Y'a l'air d'avoir un plus gros. Faites gaffe! Ah, c'est encore un. C'est le petit. Avec des...
la Texas Instruments avec cette musique. Le look adolescent. Ah c'est ça, c'est la Texas Instruments. Oh le barbecue qui se mange. Je vois que c'est une explosion. Fais-le, Y. Oh oui, Y. Vas-y, coup de boule dans ta face, hier. Yeah. Ah, oh, c'est trop bien. Merde, Kardec est battu. J'ai vu, mon gars. Bien joué. Rendez-vous de l'autre côté. T'as vu, ça rebondit sur moi. Libération. En fait, on va être libéré du jeu. C'est ça, regarde comment c'est bien. On dirait des spaghettis. C'est clair, mais regarde comment c'est bien. On s'est fait chier tout le chapitre 4 là, qui sert à rien, l'acte 4 qui servait à rien. Là c'est chéri, j'ai réussi les gars dans un plat de poignet. On sait pas ce qui nous attend, mais ça va pas nous arrêter. Hein. Eh mon garçon. Allez, on y va. Capteur sismique qui s'énerve là. Ah, il est beau, c'est beau, putain! Fais gaffe, y'a des spermas au volant! Ouais, on les a eus! Kate, attention! Putain, les mecs, ils ont des tirs sol-sol RR. Ah ouais, moi aussi. Ouais, faut attendre. Ah ouais, on va trop vite pour le jeu là. Ah, on va trop vite pour le jeu, on est trop fort. Child of Eden. Child of Eden, exact. Plus loin en rythme, on va gagner l'espoir. On avance doucement, on avance pas par pas. Voilà. Oh, le grand-père, la grand-mère, ah le grand-père. Oh là, c'est un homme taille, on est dans un détail. Recule, Frédéric, pars, toi, cours. Pour mieux tester toutes les expériences, ça peut être fun. J'ai vraiment besoin de tes conseils là. Visez les tentacules, comment veux-tu? Toutes les roquettes, toi. Oh là là, mais non. Mais putain, elle nous envoie du coup. Mais super idée de mise en scène! Ah oui, c'est dommage! Voilà, le trou! Quel trou? Oh, je suis calé! Sur la droite! Il faut attirer les premiers! Faut qu'elle arrête avec ce petit coin, là! Largage de missile! C'est le droit! Ils sont la même! J'en ai figé un! Vas-y, c'est toi! Moi! Il est resté une fois qu'il a été connu. Énorme, magnifique. C'est magnifique. À droite. Mais quel trou, je comprends pas ce que tu veux dire. Ah oui, ok, ça y est, j'ai calé. Voilà, super, on va te rafouer déjà. Et un tentacule de moins. Comment veux-tu? Merci, c'est la dernière. Ok. Oh là, il arrête pas de se voir sur la gueule. Regarde la missile. Il n'en reste plus qu'un.
Tu vas faire foutre dans ta gueule. Allez, hé. Roquette envoyée. Vas-y, à toi. Ok, dernier tentacule figé. T'as vu les sabotages? Merde, mais moi j'ai creusé. Merde, l'hélicoptère s'écrase. Papa, Del. Ok, ok, sortez, sortez. Ils ont pris une balavoine là. C'est clair. On est à Del. Ou une colline macrée si ça marche. Ou alors des hélicoptères. Ah mais c'est quoi ça? Eh mais regarde le petit hélico. Je croyais que c'était eux qui étaient dedans. Eh merde. Dans quel état est ce faucon? Mais en fait c'est un drone. Je oh, je peux l'utiliser en arme! Je vais l'utiliser en arme! Wouh! Wouh! Énorme! Mais pourquoi c'est lui? Eh, hey, j'en veux une d'arme en bande d'enculés! Merde, ça, on tire comment? Ah, ça charge! Ah non, protège-moi! C'est un bouclier! Ah, c'est un bouclier, c'est pas une arme! Attends, bouge pas! D'accord! Ah, faut qu'on l'approche, non? Ou un truc comme ça? Ouais. Énorme l'idée de mise en scène! C'est énorme l'idée! Tu te sers des pales de l'hélico pour te protéger et tout, c'est énorme! Attends, avance pas trop, s'il te plaît! Mais si, à mon avis, faut que j'aille proche! Bouge pas! Wouh! Ensuite. Oh, c'est rien. Non, c'est pas quoi, allez, devant. Oh la vache, il fait un pouce roda. Il nous repousse, à mon avis, on doit faire quelque chose. Ah, au moment où il attaque, j'esquive et tu lui aggraves sa jambe. Il y a pas je pense que c'est ça. Si, si, là, quand il nous a lancé un coup. Mais sa bite. À pied, c'était trop facile en robot. Allons la sauver. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va repartir sur 3 heures de merde. Oh là 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 là, mais lâche-moi. Je crois qu'il est dans le passage où nous on a galéré HB. C'est bien fait pour lui, tiens. Lui qui se vend. Ah bah tu vois, elle est pas morte. Ah, regarde sa main gauche. Et son visage aussi, je crois. Je vais pas voir le reste. Hein. Allez Marcus, vas-y, lève-moi, on s'en fout de lui. Tu le savais? Pas vrai? Hein? Mais quel de putain de cerveau! Eh, il l'a féconde! Vous savez pas qu'on trouverait ça. Les gars, il met une balle, il me met dans le rouge. Une!
Oula, pseudélique, pseudélique, viens voir. Elle s'est transformée en locuste, c'est bien ça? Si, pour me libérer. Oh là là, qu'est-ce qui est passé? Je meurs. Ils ont pensé à tout. Katie. Délivre-moi. Bon, c'est pas la bise, hein, quand même. Je t'en prie. Rena, non. J.D. Vous ne pouvez pas la... Non. Laisse-moi lui dire au revoir. D'accord. Oh, c'est beau, elle va le tuer avec le couteau cassé. Bah, c'est le couteau que sa mère, elle, oh là, elle l'a sauvé avec ce couteau. Mais ils servent à rien, ils se tournent jamais vers eux. Jamais. Ils servent à que dalle. Que ça fait. Décor, les mecs. Ah, une mauvaise haleine. Prends-le. Allez, vas-y, Marcus, réveille-moi, putain de bordel. Allez. Si 12 heures de jeu, j'ai déjà pu commencer. Un peu longué là. Allez, tu veux. Attends, c'est la phase émotion. C'est le... au moins, c'est un truc intéressant. Je ne suis absolument pas touché par ça. Encore. Non. J'aime ça, encore. Ça va aller. Ouais, attaque pas le cou directement, c'est plus simple. Bah ouais, ouais, dans le cœur directement, quoi. Je crois qu'il y a des gens qui ont pleuré sur cette séquence. Ah, moi j'ai la larme qui monte là, c'est vraiment chaud. Et eux ils se font un jeu de cartes. Sur... Non, c'est super émouvant là. Alors amène-la en lieu sûr. J'ai pas besoin qu'on me protège. Ouais, je m'en fous de façon. Il faudra du temps. Crois-moi, je suis passé par là. Ouais, il a perdu son cum lui. Elle voulait te confier ça. Mais sérieux, il est nul, cet ordinateur. Quoi, mais sérieusement. Je l'ai jamais connu. C'est magnifique. Oh, c'est un logo de CGU de Locust. Putain, mais c'est qui me déboîte la gueule là depuis tout à l'heure? C'est le logo des Locust, t'es sérieux? Oui, je crois. Quoi, ça finit comme ça? Bah, ça annonce Gears of War 5. Mais on a juste sauvé sa maman. Et on a pas eu de dernier boss pour sauver la planète. On a sauvé personne. Non, on a sauvé personne. Mais on a même pas le dernier boss pour sauver la planète. Eh, Jean-Paul, je te cause. C'est le logo des locustes. Ça veut dire que sa grand-mère était un locuste. Et sa mère aussi. Ouh, ça couvre des choses que je ne veux pas savoir. Mais ça veut dire que c'est la fille cachée de Marcus, parce que la femme de Marcus, c'était une locuste, c'était la reine des locustes. Non, la reine des putes, non? Aussi, mais... C'est pas ça? Mais c'est moche, cette fin. C'est quoi cette fin? Non, c'est pas ça. Mais c'est quoi cette fin toute molle? Internet, c'est pas bon pour tout. Hein. C'est quoi cette fin toute molle? Ça peut faire des fins. Je pensais qu'il y avait un ultime chapitre pour aller sauver la planète, faire ami-ami avec la ministre des méchants, humain. Non, on s'en fout, elle. Il y a plein de questions en suspens qui sont pas répondues. Ouais. Ils sont pas répandues, ouais. Ouais, d'accord. Bon. En tout cas, je te laisse là. Je vais me reposer. Je dis, je te laisse là, je vais me reposer. Moi aussi, c'est fini. Merci, vous qui êtes sur le stream, d'avoir suivi ces aventures sur Gear of War. Ah, merci les deux personnes. Et à bientôt. Oh, mais celui-là il restera dans les annales. Ça fera un sacré best-of, je pense. Bon, franchement, il est entre mi-figue, mi-raisin. Il est entre mi-figue et mi-raisin. Il mérite un 17, mais avec les problèmes, il est plus à 12-13. 26 minutes pour le dernier acte.
Heureusement, hein, parce que si c'était aussi long que l'acte 4, ça m'aurait gavé. Mais c'est l'acte 4 qui a le cap. 3 heures pour l'acte 4. Mais l'acte 4, c'est l'acte de trop en fait. Ils auraient pas dû le mettre. Il est chiant comme la pluie. Bah ouais, mais bon, on a fait des choses essentielles dans le 4. Bon allez, bye bye. Il est trop long pour... Bonne chance, Xavier.